Daniel. Oui. Cher invité qui venait d'apprendre aujourd'hui qu'il n'était pas cucu. Chers collègues qui, je le vois, ont encore bu. Chère Isabelle, patronne sexy aux pattes légèrement velues. Et enfin, cher public excité comme un vendeur de four qui a pour client Landru, bonjour. C'est la crise. Pour Noël, on sera tous ruinés. Dans un an, on va tous crever. Monsieur Souchon, vous êtes notre invité du jour. Ok, j'y peux rien. Mais est-ce bien le moment, monsieur Souchon? Est-ce bien le moment de venir faire ici boum boum tagada pouette pouette sur France Inter alors que notre pays, pour ne pas dire le monde, est en crise? Vous venez de présenter votre album de chansons d'enfance pendant que le prix du gaz augmente, que le chômage est au plus haut. Vous venez faire le mariole alors qu'on annonce le retour du maïs transgénique, pendant que la conférence sur le climat nous dit que la Terre suffoque. Vous venez honteusement draguer Isabelle Giordano en direct avec vos chansons douces et votre œil de crooner sénémarnais. Et tout ça à l'heure où on équipe nos postiers de scooters taïwanais et quand on apprend que Strauss-Kahn est victime d'un complot porno BlackBerry UMP. Et votre cynisme ne s'arrête pas là, monsieur Souchon. Vous venez faire vos cabrioles vocales au lendemain de l'annonce de la candidature d'Hervé Morin, un homme crédité de 1% d'intention de vote et qui, par ce geste ridicule, ridiculise tous les Morins du monde. Ben oui. Salaud. Ben oui, monsieur Souchon, vous êtes là et je ne vous jette pas la pierre pour autant, monsieur Souchon. Vous avez sûrement été hypnotisé par une de ces attachées de presse aussi vicelardes que tentatrices. Une de ces créatures décolorées de la touffe, botoxées du croupion, maquillées comme une roulotte de manouche, qui après avoir échoué son bac manucure option majorette, kidnappe des artistes comme vous pour les exposer dans des émissions radio animées par leurs complices, d'anciennes speakerines cinéma nymphomanes. Je vous comprends. Et en fin de compte, monsieur Souchon, en fin de compte, oui, vous avez raison. Mais oui, bordel, ne nous laissons pas abattre. Profitons de nos derniers instants de bonheur avant que la crise nous assassine pour de bon. C'est un acte de résistance que vous faites à la crise, face à la crise, monsieur Souchon. Oui, Alain, tu es le Che Guevara de la variété française qui pourfend la moralité et la morosité internationale. Bravo, Alain. Ce matin, moi, je parlais de la crise avec des amis. Eh bien, ces derniers sont plus positifs que moi. Oui, c'est ça, il faut positiver. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve mon ami Philippe Manœuvre. Bonjour, Philippe. Salut, Dan. Philippe, c'est la crise, on va tous crever. Pff, ça me déprime, pas vous? Ah non, mais la crise, c'est génial, Dan. Faut voir le bon côté des choses. Mais c'est quoi le bon côté des choses, Philippe? J'en sais rien, Dan. Ah, vous voyez, c'est pas si simple. Comment vous voulez positiver avec le retour des cultures transgéniques? Ils disent que c'est plus sûr, que grâce aux transgéniques, on va pouvoir nourrir tous les enfants qui ont faim. Mais j'y crois pas. Ah mais si, Dan, les cultures transgéniques, c'est génial. On va faire pousser des plants de cannabis grands comme des palmiers avec un seul plant de cannabis, on pourra faire fumer tous les élèves d'une école. Mais d'accord, mais le climat, Philippe, le climat qui part en couille. Dans 15 ans, il fera 5 degrés de plus. Ah mais ça, pour le climat, j'ai pas d'avis, Dan. Si ce n'est que c'est génial, parce que mes plants de cannabis géants vont pousser deux fois plus vite. Merci, Philippe. Alors, je vais demander ce qu'il pense de la crise à mon deuxième invité, le journaliste de droite intellectuellement déficient et morphologiquement défectueux, Alexis Lacroix. Vous êtes inquiet de la situation actuelle, Alexis? Oh là, je suis catastrophé, Daniel. J'en parlais hier avec mon bon ami, le fantaisiste dépressif Alain Finkenkraut, et là, on fonce dans le mur, hein. Et vous croyez que c'est vraiment grave? C'est gravissime, Daniel. Pour nous, comme pour nos descendants. Bon, vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Je suis paxé avec une loutre que j'ai rencontrée au Canada l'an dernier. Eh bien, j'ai acheté quantité de paille pour qu'elle puisse dormir au sec après ma mort, que je sens imminente. En pensant à Brigitte, ma loutre, je me suis souvenu que Kierkegaard disait « La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu'en avant ». Oui, c'est sûr, Alexis, mais souvenez-vous, Jean-Louis David a dit « De beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière ». Ce n'est pas faux, et c'est vrai que mon épouse a un très beau poil. Merci, Alexis. Ah, pour finir, je vais demander à un homme de bon sens son avis sur cette crise mondiale. Vous pensez quoi de cette crise, Richard Lornac? Tout d'abord, je voudrais saluer les classes de BTS en maçonnerie alimentaire de Villeneuve-les-Glaoui en Saône-et-Loire. Oui, d'accord, c'est très gentil pour eux, Richard. Mais la crise, le réchauffement climatique, tout ça... Oh, le réchauffement climatique, c'est la cata. Moi, j'ai du mal avec la chaleur. Non, c'est vrai, comme j'ai tendance à beaucoup transpirer des pieds, la chaleur est mon ennemi. Quand ça dépasse 23 degrés, c'est plus des chaussures que j'ai, c'est des cloches à fromage. Oh. Merci, Richard. Merci pour tout. De rien, Daniel. Avant de partir, je voudrais saluer les élèves en IUT d'haltérophilie de Saumur-les-Sirons en Champagne. Merci, Richard. Bah, comme quoi, la crise, hein, c'est pas si catastrophique que ça. Même si c'était mieux avant. Je sens que vous êtes d'accord avec moi, Alain. Je sens que vous allez vous lever après cette chronique et aller chanter J'ai 10 ans. Je ne sais pas si c'est possible. Si on me le dit. Merci, Daniel.